Non, si, c'est bon. La manette est reconnue. Donc, on est sur la troisième partie de ce Donkey Kong Country 3. Et donc, on va faire les deux prochains mondes qui sont normalement... Après, c'est la fin du jeu. Mais, évidemment, sur une prochaine session, je referai tous les niveaux. Enfin, en off, plutôt. Pour avoir tout ce qu'il faut pour avoir le monde caché, quoi. Il y a un style graphique dans le genre image brouillée. Quoi, là, tu veux dire? Attends, ou tu parles plutôt ce que je te disais pour FPS? Bah, après, ouais, non, mais c'est surtout que c'est super sombre. C'est pour ça que ça fout un peu la merde. Ah putain, oui, ce perroquet là, qui tire pas en fait. Il est juste là pour. Oh putain, ça c'est cool pour se faire des vies, ça. Ah oui, par contre, il peut accrocher, voilà, c'est ça, sa particularité à celui-là. Hop. Attends, c'est cool ça, je peux récupérer un autre baril juste après. Y aller comme ça là. Oh, putain, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cet ennemi? Vous avez pas vu celle-là encore? Salut Fire Mario. Est-ce qu'on finit de jeu si on prend en compte on prend la fin normale? Mais je vais pas finir de jeu hein. Enfin, peut-être celui-là là, pour la fin normale. Mais Cuphead, je vais pas le finir hein. Parce que y a le troisième monde qui va me prendre un temps max déjà. Ah merde, putain, il se pète pas lui. Et surtout, il y a un monde final et je crois que c'est pas qu'un seul boss, quoi. Il y en a tout plein. Je sais pas si c'est bien que je prenne ça. Tant pis, on y va. Ah bah d'accord. C'est pas le chemin classique. L'encodage, genre image brouillée. Pour l'encodage non, je pense pas. Enfin, je sais pas trop si tu veux parler dans le jeu, l'image brouillée, ou si je mets un filtre qui brouille. Et ça, non, j'ajoute pas de filtre de ce genre, quoi. Attends, merde, faut les buter, c'est ça? Ah, j'ai même pas lu ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est ça, ouais, faut les buter. Ouais, bah tiens, du coup, est-ce que je vais avoir assez de temps, là, parce que... j'ai un peu pris mon temps, là. Vite. Hop, prends ça, toi. Je pense que je peux lâcher le baril, mais je préfère y aller au contact. Pour être plus sûr. C'est pas bon? Merde. Il en reste un ou c'est planqué là? Ouais, il en reste un. Vite. Doit être là ce con. Voilà, c'est bon. Bon, du coup, il me remet sur le bon chemin. Putain, je sais pas du tout par où fallait passer alors. Enfin, c'est pas trop grave. Putain, là par contre, il me faudra un baril là. Ils sont deux. Attends. Oh putain, super. Ah bah d'accord, c'est celui qui faisait ça. Attends, on va se speeder. Tiens, un baril en métal, qu'est-ce que ça va faire de plus? Tiens, si. Ah oui, d'accord, on peut l'envoyer comme ça sans doute. Je me risque. J'ai le cas au fait? Non, j'ai pas le cas, d'accord, je l'ai raté. Est-ce que je peux le tuer ça? Non, d'accord. On peut pas les tuer ça. Ouais, j'ai pas eu de sauvegarde. Le checkpoint. C'est pas trop grave. Bon, on commence un niveau avec un animal, quoi. Enfin, un compagnon. Ah putain, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de vie, au fait. Ah, ça me dit Y. Ah, mais Y, oui, d'accord, pour choper le baril. Alors, c'est lui qui doit avoir le... Attends, il me faudrait un baril. C'est lui qui doit avoir le cas, je pense. Peut-être en dessous, ouais. C'est pas mal. Hop, voilà. Je vous dis, SFR pour ça, wifi. Putain, t'as encore des soucis, là? Putain, décidément, ça dure, hein. C'est un moment, là, que t'as des soucis avec ta connexion. Mais t'as jamais... Enfin, t'as pas appelé la hotline ou autre pour... savoir ce qui allait pas. Enfin, en même temps, bonne chance. Hein. Bonne chance avec la hotline, mais bon. Faut faire quelque chose, quoi. Je vais essayer d'y aller, quand même. Putain, je sais pas si... Merde. Comment ça? Il va pas jusqu'en bas.
merde, c'était pas voulu ça. Oh, j'ai shooté. Ah bah super, il y a quelque chose apparemment là. Attends, à droite. Ouais, ça c'est cool. Putain, va falloir y aller entre les deux là. Ouais, putain, c'est tendu, merde. Attends, je sais pas trop à quelle hauteur. Attends, j'appuie, d'accord, il va pas hyper haut. C'est chaud quand même. J'étais pas serein. Voilà, par contre, soit un petit dégât là, soit un baril de sauvegarde. Enfin, checkpoint. Attends, si je le lance. Oh merde, ça passe en dessous. Je passe pas. Quel con. Non, je passe pas. Et merde. Ah, saleté. Ouais, faudrait que t'essayes avec un câble. La rigueur, Fire Mario. Parce que ça se trouve, t'as des interférences là en Wi-Fi, ça arrive. Si t'es sur le. Comment ça s'appelle, le même canal, quelque chose comme ça. S'il y a un autre appareil qui est connecté sur le même canal, ça peut vraiment t'embrouiller le signal. Et ça, c'est pas cool. Attends, parce qu'il y a un piaf avec un gros corps aussi là. D'accord, c'est une pièce comme ça. Bon, je vais arrêter de crever dès le premier niveau là, ce serait. C'est un peu dommage. Après, putain, y a pas énormément de. De moyens de. Enfin, de checkpoint quoi. Putain, j'ai failli me faire avoir encore. Ok. Ça c'était pour le piaf. Ça aussi ça le tue pas alors le baril en métal. Là hop, la guêpe verte, c'est bon. Je prends hop, c'est banane. Putain et merde. Ah ouais, il glisse bien. Alors ça c'est le passage délicat pour moi ça. Parce que là faut bien doser son vol. Ok, c'est bon. Ça c'est bien, un petit retourné de la gueule. Bon, je sais pas, mais un petit checkpoint là. Ah, merci. Et avec le petit DK, c'est très bien. Oh merde, attends. Oula. Merde. Attends. Bon, c'est bon. J'ai dû rater des bonus, mais c'est pas grave. Ah tiens, il est là l'autre. Ouais, il y a un truc en bas là. Ah, le N. Putain, quel con! J'ai lâché le bouton. Je passe par le plugin de Twitch 5. Ouais, c'est vrai que tu peux choisir, je crois. Bon bah désolé, hein, Fire Mario. Mais ouais, faut que tu vois ce problème, quoi. Il y a quelque chose. C'est pas normal que. Enfin, surtout ton wifi, je sais pas. Alors ce DK3, bah DKC3. Ouais, il est sympa. Oh putain, bon vas-y, je pourrine. Ah merde, mais en fait non, il y a que dalle quoi. Il est bien sympa, mais bon. Beaucoup ressemblent au deuxième. Normal. Enfin, je comprends ouais, qu'il était un peu moins bien vu que le deuxième, puisqu'il y a pas énormément de choses innovantes. Mais ça reste un très bon jeu quand même. Il redescend ou pas là? Ouais. Alors attends, parce que là il va remonter en plus. Je me suis fait buter par quoi? Ah oui, là il y a trois guêpes à la con. Voilà. Putain. Le problème là c'est qu'il faut que j'avance vraiment un petit pas hein, parce que je sais pas ce qui m'attend. Faut le faire bon moment là. Putain, mais il va vite là, ce con. Je sais pas ce qu'il y a en dessous de moi, ça j'aime pas du tout quoi.
Est-ce qu'il est bien long ce niveau? Oh putain, c'est encore le coup où ils sont deux là. Oh putain, j'ai réussi à passer alors que j'avais zéro fréquence. Enfin, tant mieux. Ah, cool. Putain, ok. Mais je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en avez... vous avez déjà joué à ce DKC? Enfin, Donkey Kong. Ou vous avez été déçu, là, par cet opus? Moi, je le trouve pas dégueulasse non plus, quoi. Faut pas exagérer, quoi. Ah, faut que j'aille chercher un autre baril, là. Ou alors, je passe à travers en mode bourrin, mais... le niveau est quand même long, quoi. Putain, je sais pas si je vais passer. Si. Encore. Ça, c'est cool. Si je me fais toucher, là. Putain, merde, il vient, là. Du coup, je sais pas s'il faut que je passe par là-dessus. Ouais, non, c'est bon. Oh, merde, putain, d'accord. J'espère qu'il me poursuit pas. Alors, hop. Ça doit être la fin du niveau, ça. Putain, la surprise. Saleté. Ah d'accord, tu l'avais fait. Et du coup, t'en as pensé quoi? Alors t'as essayé, je te bénis. Alors à gauche, il y a ouais, la sauvegarde. On va plutôt faire ça. Pour l'instant, j'ai assez de vie, je pense. Et nous, on est béni, moi, on fait un norme. Nous s'occupons des TSIH de cette région. Si je ne peux pas tomber en panne, fais-moi confiance. Surtout, bah ouais, attends, je joue avec ça. Ouais, mais bon, enfin, ça va quoi. Après, c'est sûr, au niveau des personnages, moi je préférais Didi que le gros bébé quoi. Ah, ça va être sympa là, ce niveau, je sens. Après, il y a quand même des idées originales, hein. Ça, je me rappelle sur la deuxième partie que j'avais trouvé qu'il y avait des phases de gameplay assez sympas. Après, je me rappelle plus là comme ça. Oh, merde, putain, d'accord. Là, par exemple, c'est marrant là, comme idée ça. Putain, par contre, ouais, faut voir ce qui arrive au-dessus quoi. Ça, par contre, ça va pas trop me plaire parce que là, faut avoir des réflexes de ouf quoi. Hop. Bon, peut-être que j'aurais pu faire la toupie avec Dixie, mais je savais même pas si c'était elle que je dirigeais, je crois que oui. À droite, il y a... Oh, putain, vite. Ah, mais attends, je sais pas, là. Voilà, je sens que ça a du Die and Retry, ça, par exemple. Salut, Maspalio. Techniquement, il est très propre. Moi, j'ai kiffé le côté... de Norvégien. Bah ouais, ouais. Oh putain, quel con. Ouais ouais, non mais je trouve cool. Après oui, c'est vrai que c'est peut-être assez inégal par moment au niveau des environnements. Mais je sais pas. Ouais, faut rester en bas, mais en même temps, la flamme te fait mal. Ça, putain, je suis pas fan de ce genre de niveau. C'est que du par cœur. Ouais, voilà, bah c'est ça, quoi. Ça, je suis vraiment pas... Ça, je suis pas fan du tout de ce genre de niveau, quoi. Alors, je vais voir si je peux faire toupie avec elle. Normalement, oui. Bon, on va essayer là. Non, elle l'a pas fait, mais bon, je pense que c'est à cause du tonneau. Le problème c'est que j'ai plus beaucoup de vie. Faudrait que j'aille sauvegarder chez l'autre. Ou alors je fais une safe state, ça ira plus vite. Si on peut, ouais. Donc c'est bon. J'ai quand même sauté à droite là, ce truc là. Oh putain. Ça sert à quoi?
Ah mais attends, je peux monter comme ça là? Vite! Putain, mais dépêche! Oh, c'est bon! Par contre, je peux plus voler quoi. Avec lui, je peux pas quoi. Ah, ouais, d'accord. Bon, ça, je verrai ça plus en solo. Par contre, ouais, je sais pas ce qui m'attend là. C'est quoi ça? Ok, je vois pas trop l'utilité, mais c'est pas grave. Je peux pas changer là? Non, je peux pas. Ouais, j'ai pas envie de tenter là, ça. Bon, attends, on peut pas aller plus vite en montant ou... Ah si, ouais, en appuyant sur Y. Ouais, sinon ça aurait été un peu dur quoi. Putain, bah ouais, mais merde. Obligé quoi. Putain, si tu le sais pas, bah, laisse tomber quoi. J'ai quand même de tenter ça. Ok. Alors, faut sauter à droite dès que je peux là. Je te laissais passer, hop. Là. Y'a un truc là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oh putain! Merde, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quand même risqué hein. Putain, c'est limite hein. Bon, il y avait un truc à droite apparemment, tant pis. Je me concentre là parce que c'est assez tendu. Vas-y, on y va. Ah c'est con, j'ai pas le haut. Putain mais c'est festival là. C'est la fin? Non, ça a pas l'air. Je sais pas, c'est bizarre. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Alors, faut aller à droite. Mais putain, saute! Oh, putain, j'ai appuyé là, j'en suis sûr quoi. Tant pis, c'est pas grave. Non, du coup, je savais même pas si c'était à droite qu'il fallait aller. C'était peut-être trop tard. C'est pas grave, on va devoir refaire cette phase. Attention, il y a l'autre là. Oh merde. Dépêche-toi. Ça me fait des pièces là, comme ça. Alors ça par contre je vais pas trop aimer. Putain. Alors là. J'y croyais pas là. Là j'ai pas d'Ixi là, ça m'emmerde. Attention parce que là ça va être le... Je crois que ça va être le bordel là. Ok, bon c'est pas grave. Ça c'est cool. C'était un peu dernier moment aussi. Alors c'est là que j'ai pas compris. Ok, j'ai ça. Ouais, je peux passer là. Oh, mais je fais quoi? Oula. Merde. Putain, non, non, recommence pas. Bon, je sais pas, j'ai pas compris. Apparemment il devait y avoir le crocodile là, avec le bouclier. DK, mais je sais pas où il était là. Alors attends, soit je monte, j'ai envie de faire une petite sauvegarde quand même. Ah ouais, mais faut refaire le T si je réfléchis. Ça permet d'aller plus haut. Sinon c'est ça la suite. Attends, mais il y a quoi en haut à gauche là? Bon, on va le faire quand même. À moins qu'il lui faut quelque chose. Alors Bjorn, qu'est-ce qu'il veut? T'es siège tampane, mais en plus j'ai prêté ma clé à molette.
quand même, il l'a pas rendu. D'accord, donc c'est... faut choper un truc quelque part. Ça va être sans doute pour le 100%. Tant pis, on va faire la suite. Encore niveau aquatique. Putain, c'est bizarre le rendu là. Il manque un peu de couleur là. Ah tiens. Ça fait mal ça? Oui, d'accord. Bon, bah on va y aller comme ça alors. Ah, c'est le... C'est le poisson là. Comment il s'appelle? Enfin l'espadon plutôt. Ah! Vas-y. Alors, ça doit être pendant un certain temps, j'imagine. C'est pas mal comme idée, ça aussi. En garde, voilà, c'est ça. Attention. Bon, après, ça s'assombrit, mais bon. Bourrinage. Qu'est-ce que c'est? Ah, je sais plus ce que ça fait ça. Bon, on va éviter de s'en approcher. Ouh, attention au rebond hein, quand même. Oh putain. Attends, je sais pas si ça se bute ça en plus. Ah, j'ai raté le... Ah non, j'ai eu le cas, ouais. Ok. Je sais plus si ça explose là, ces oursins là. Sûr qu'il faut pas s'en approcher. Ah voilà, puis ça se déplace. Ok, non, c'est juste faut pas les toucher quoi. Ah d'accord, ça va être un monde spécial en garde, c'est ça que tu veux dire? Ça redescend pas là les saletés là. Putain, je vois plus rien maintenant. Il y a un bonus, allez on va le faire. Choper toutes les étoiles, ok. Putain, quoi que là. Je sais pas comment ça rend sur le stream, d'ailleurs c'était fait, bon ça doit pas être... Ça doit pas être dégueulasse non plus quoi, mais c'est sombre. Hein. Après il se manie bien en garde, donc on verra quoi, mais... Ça va quoi, je le supporte. Un peu de lumière, par contre j'aimerais bien un petit... Oh putain. Le doublé, j'aimerais bien soit un TK ou un checkpoint. Ah là je suis en train de remonter là, c'est pas bon. Là, c'est le bon... C'est là le bon chemin. C'est juste... Moi ce qui me fait peur c'est qu'il y a un truc qui me fonce dessus au dernier moment quoi. Ça me saoule quoi. Slalom là entre les mines si on peut dire. Ah attention, pas de troll, non c'est bon. Ah super. Alors hop, toi éclaire moi là un peu. Pour l'instant c'est bien. Ah, j'y vais vraiment doucement hein. Oh putain c'est quoi, il y a 50 000 chemins là. Il y a un autre chemin. Attends, non. Si c'est un trou, enfin un trou dans l'eau, c'est space, mais. Je suis méfiant. En tout cas, ça a l'air d'être là. Oh putain, je l'ai raté. Bien reposant, en tout cas, ouais. Ouais non mais ça doit être pareil que d'habitude, hein. Y a pas de... ça va pas vite donc le rendu doit être bien. Vous voyez vraiment comme je vois quoi. Oh putain attention, hop. Oh
Ah oh, putain, ça c'est chié ça, par exemple. Du coup, j'hésite à remonter là. Il y avait un décal en haut. Attends. Si je dis pas de conneries, non? J'ai rêvé? Non, j'ai dû rêver, putain. Voir, c'est plus haut encore. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, je sais plus. Vraiment, je joue petit joueur là. Putain, j'ai eu peur. Ok, lui il est là. Putain, là il y en a partout. Voilà, oh, ce bordel. Ok. Ouais, heureusement que c'est pas timé, comme tu dis, ouais. Ça va, c'est cool là-dessus. Alors, attends, comment on va se le faire, lui? Bah non, mais si tu le récupères... Voilà. Attends, le drapeau, c'est bon. Ah ouais, non, mais c'est clair, je pense que les speedruns, ils doivent se faire toucher un endroit, et après ils bourrinent comme un malade pour passer le plus de choses, quoi. Mais il faut le connaître par cœur, quoi, le niveau, là, pour faire ça. T'as là, par exemple, c'est assez bizarre, là, comme décor, là, truc tout rose, comme ça. C'est particulier, je trouve. Ok, donc là on a Squag ou Squack. Je retiendrai jamais les noms. Qui lui permet de tirer là des noix de coco, je sais pas ce qu'il balance, ou des œufs. Oh putain, c'est quoi cette merde là? D'accord, on va faire passer au bon moment. T'as le pot, il doit galérer avec le gros bébé là. Ça doit être bien lourd quoi. C'est le slime de Ghostbusters 2. On se demande. Putain, par contre, ouais, il est dur à arrêter, quoi. Putain, mais ça pop un peu... Putain, c'est pas le bon qui est parti, là. Faut que j'y aille doucement. Hop. Oh d'accord, super, pour une banane. On bourrine. Attends, c'est là que j'aime pas, parce que je sais pas ce qu'il va y avoir. Attends, mais là je vais crever là. Je peux pas aller dans l'eau avec lui. Ah super. Ok, donc là un petit tonneau d'éca ou quelque chose. C'est pas de refus. Merde. Attends, c'est quoi ça? Je peux pas le shooter ça. Je pense pas. Ça, je peux pas le shooter, c'est trop gros ça. Ça serait un peu simple. Putain, merde. Attends, c'est tendu quand même. Je vois pas trop comment passer là. Je suis obligé de shooter là, attends. Bon bah tant pis, merde. Ah oui, mais faut que je le récupère. Oh putain, l'enfer. Casse-toi. Non, tu peux pas. Ah, il est bloqué, ce con. Bon, on va continuer comme ça. Je sais pas, je peux pas, là. Oh, putain. Ah, fait chier, parce que ça va être moins pratique, hein, clairement. Un petit secret, là, ouais, si. Salut, Kuja. Il s'appelle Jean-Richard Rambo. La gueule des gros poissons. Ouais, ouais, bah ouais, mais moi je les aime pas trop. Oh là là, merde. Putain, vu comme il est lourd. C'est quand même un sacré tank, hein, ce personnage, quoi.
Ça va être tendu. Bah ouais, mais là, il est trop gros, quoi. Sans déconner. Bon, c'est pas grave. Et là, faut que j'arrive à garder en garde jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à passer, quoi. Merde, quel con. C'est là. Oh putain, merde, 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 vite! Putain, je suis toujours à 8 vies, quoi. J'arrive à maintenir un certain niveau de vie. Ça, c'est pas mal. J'en perds plein, mais je gagne autant, quoi. Putain, ça, c'était une balle perdue. Hein. Ah, ça, je sais pas. Attends, mais prends-le. Pas échanger là? Non. C'est pas grave. Putain, je tente très bien quand même. Ah si, on peut! Bah voilà! Putain, c'est tellement impressionnant ce truc, je pensais qu'on pouvait pas. Bah d'accord, bah ça change tout ça. Allez hop, dégage, saleté là. C'est vrai qu'il a la bouche grande ouverte là. Ah, par contre, je peux pas sauter. Attends, mais je peux m'en débarrasser normalement. J'ai pas envie. Parce que après, si je le récupère pas, ça sera un petit peu con quoi. Ça, par contre, c'est clair, je peux pas le shooter ça. Enfin, je pense pas. Hein. Pas envie de tenter. Attends, par contre, si j'avais pas en garde, ouais, les poissons là, j'aurais dû les éviter. Ah, là, je suis obligé là. Ah, là, c'est ok. Ces triangles. On va faire tous les animaux comme ça. Attends, c'est quoi le bouton pour... Non, c'est pas ça. Non, mais je vais pas aller dans la flotte. C'est quoi ça? Un petit checkpoint là. Ce serait bien. Quoi? Ah merde, putain, j'avais pas vu qui... Ah putain, ça y est, je commence à faire le con. Donne-moi ça, toi. Il va revenir ou il va tomber dans l'eau, ce coup? Putain, qu'est-ce que... Je crois qu'il était en train de se noyer. Par contre, tu peux pas récupérer l'eau, là? Non. Enfin, en même temps, un éléphant qui flotte, c'est pas mal. Hein. Je dis bravo. Oh, putain. En espérant qu'il revienne. Pas impression. Bon, allez, c'est noyé, je pense. Tant pis, c'est dommage. Attends, comment on fait pour aller au-dessus? C'est clair. Le bon Congo, putain, mais c'est vrai qu'il est énorme dans Serious Sam 2, quoi. Attends, y'a rien ou quoi? Ah, ok. Y'a un truc là-bas. Putain, attends, c'est chiant. D'accord, va falloir l'envoyer, donc faut changer. Voilà. Ah, l'araignée, ça c'est cool. Putain, oh mais merde! Comment j'étais censé savoir? Putain, mais c'est pète couille ça! Casse-toi de là! Attends, non, ça va être super chiant, tant pis. Putain, ce ramage! Bon, voici, je dois te suicider. Allez, c'est bon. C'est cool. Je veux dire que l'armée d'Amental est gigantesque. Ouais, tu m'étonnes. Il est bien entouré en tout cas mental, c'est clair. Chaud de ce qu'on... Ouais, on s'en fout de ça.
continue. Attends, on reprend Dixie. Putain, il y a un truc en dessous, je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est une corde. Ah non, c'est... C'est con qu'on puisse... Putain, merde, quel con. Qu'on puisse pas pouvoir... qu'on puisse pas, plutôt, regarder en dessous. Il va un peu à l'aveugle, hein, à chaque fois. C'est chiant. Fait peur. Eh merde. Par contre, les niveaux sont quand même vachement plus longs, hein, j'ai l'impression, que sur les autres mondes. Faut vraiment parcourir. Attends, je vais pas me faire avoir. Hop, je reprends d'elle déjà. Parcourir quand même pas mal de chemin avant d'avoir le checkpoint au moins. Là. Attends, il y a un rocher là. Ok. Oh putain, merde! Je pensais pas que ça allait m'envoyer comme ça, quoi. Saleté. J'ai combien de vie là? Parce que je commence peut-être à... 6, 7, ça va encore. Je vais un peu vite, hein, quand même. Pas très recommandé, ça, quand tu découvres le jeu. Bon, ça serait bien que je le passe, là. C'est le prochain, là. C'est que j'arrive à le passer. Voilà, très bien. Quand même. Salut! Putain, merde, petite pelle! Continue là. Putain. Sans deck. Waouh. C'était limite. Ah, merci. Comment ça va? Regardez, et oui, les éléphants sont effectivement de bons nageurs. Vraiment? Ça doit couler quand même assez vite, non? Putain, c'est quoi ce truc qui va à 300 à l'heure là? Attends. Est-ce qu'il faut que j'aille au-dessus? Bon, de toute façon, merde. On tente. Oh oui, putain, merde. Vite! Ouais, c'est bon. Marrant ce niveau là. Tout se fait avec les cordes. Avec une petite progression de difficulté à chaque fois. Je suis sûr qu'il y a des trucs. Putain! Des trucs cachés si on tombe. Ok, j'ai pas le haut. Oh, oh la chance. Oh, c'est... De toute façon, j'avais un décal là, mais bon. Ah, le piaf. Enfin, c'est le petit piaf là. Il sert pas à grand chose. À part ramasser. Ah, tiens. Bon, super. Et il ramasse les... Vite, vite, vite! Prends-moi ça, toi, ouais. Petite flèche, là. Est-ce que tu l'as connu, ce jeu, toi? La petite pelle. C'est Donkey Kong. Tiens, on va faire le bonus. Enfin, ce troisième opus. Putain, j'ai failli encore me faire flinguer dès le début, quoi. Putain, c'est chaud, là. Ok, bon, c'est pas grave.
T'avais pas fait le 3 à l'époque, ouais. Après, il est sorti vraiment, on va dire, en fin de vie de la Super NES, non? Donc, je sais plus du tout la date, si c'était, si la PS1 était déjà sortie ou pas. Attends, mais j'ai fini là ou... Non, non, faut aller au centre, là. Barrière de Barbos. Du coup, il était peut-être moins apprécié. Enfin, on s'en foutait, on va dire, depuis... Oh putain! Ah, c'est le boss, d'accord. Putain, méga oursin, quoi. C'était ça, là? Non, apparemment, non. Ça? Ouais. Ça devait pas être ça non plus. Apparemment, on peut shooter les oursins quand c'est ouvert, quoi. Ouais, c'était en fin de vie. Ouais, du coup, ouais, c'est pas étonnant, quoi. Peut-être qu'il était trop ressemblant aux deux, déjà. Ça plaisait pas forcément. Putain, par contre, faut que je comprenne comment il marche, lui. Parce que là, je peux pas shooter ces boules roses, là. Je peux rien faire. Alors, à part shooter ça, là, quand ça vient. Peut-être au bon moment, quand ça sort, en direct. Ouais, enfin, là, je peux rien faire. Je sens que je vais faire une connerie. Attends, je peux pas, il est plus bas, là. Je fonce dedans, je peux rien faire. Non, faut pas faire ça. Ça lui a rien fait là. Ah non, non, j'ai rien. J'ai aucune cartouche de jeu Super NES. J'étais très Mega Drive à l'époque. Enfin, tout ce qui était Sega. J'ai vraiment rien. Enfin, en Nintendo aussi, j'ai tout ce qui est DS. Ou... Enfin, à partir de la DS, quoi. Plutôt, on va dire. J'ai aussi quelques cartouches Game Boy. Putain, par contre, je comprends pas là. Tant qu'est-ce qu'il faut faire avec ce con là. Forcément, faire un truc avec eux là. Les shooter, mais pourquoi? Ah! D'accord, faut faire du billard. Hop, voilà. Je peux y aller là? Il a pas aimé. Faut que je le suive ou il va remonter là? C'est marrant. Oh merde, qu'est-ce qu'il me fait ce con? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ça se shoot ça? Non. D'accord. D'accord, ouais, c'est pour ça la Fire Mario, c'était pour ce boss quoi. Après Mega Drive, je suis passé. Il y a une phase où j'avais pas de console, j'avais rien. Après, j'étais étudiant donc j'avais pas forcément de fric. Et j'étais plutôt PC. Donc, c'est là que j'ai découvert Serious Sam, Painkiller, des jeux comme ça. Putain, mais merde, ça se shoot même pas là comme ça. Ah non, mais d'accord. Faut que ça fasse missile vers ça là. Ok, ouais, c'est ça. On vient par là. Putain, oui, par contre, faut que ça bouge plus vite. Hein. Alors, j'ai pas fait. Non, en. J'ai eu la Mega CD. Pas la 32X. Après, la Saturn, tout ça, j'ai pas eu. J'ai eu la Mega CD sans avoir Sonic CD. C'est quand même pas mal, ça. Après, j'avais très peu de jeux Mega CD aussi. Fais gaffe, faut que mes game over. Ouais, c'est. Attends, c'est pas ma dernière vie, là, quand même. Attends. Mais non, je peux pas savoir. Parce que sinon, je vais faire une save state après quoi, pour voir. Pour sécuriser le truc. Allez, go. Merde, j'étais un peu trop gourmand là. Quoi? Putain, mais c'est précis ça. C'est casse-couille. Allez, viens par là. Ah, très bien. Il y a plus de bons jeux qu'on pourrait croire. Alors moi j'ai eu Road Avenger, hein, forcément. C'était. Putain, bah attends, il fallait le savoir ça. J'ai eu Road Avenger, qui était un très bon jeu. Bon, ok, c'est pas du tout ça. Bah, je vais faire une save state là en cas où. On sait jamais, hein. J'ai plus trop de vie.
J'ai eu quoi? J'ai eu Ground Zero au Texas, ça c'était. Ça c'est un des jeux assez méconnus. C'était un genre de rail shooter avec un film. Je sais pas si t'as connu ça. Alors, je me suis amusé dessus, après c'est pas un jeu non plus fou quoi. Sylphid, très bon jeu Sylphid. Ça putain c'est un jeu que j'aimerais bien le montrer, si j'arrive à l'émuler ou. Enfin je pourrais remarque si je chope l'ISO quoi en tout cas. Bon jeu de shoot'em up mais en 3D quoi. Bonne ambiance en tout cas. Putain, c'est pas bon quoi. Qu'est-ce que j'ai vu sur Mega CD? J'ai pas eu énormément de jeux en vrai. J'ai pas eu Night Trap enfin des classiques quoi. Ce truc. Alors là, il faut que je comprenne là. Est-ce qu'il faut le shooter quand il se baisse là, comme ça là? Ouais, apparemment. Par contre, c'est tendu, je trouve. Putain, faut qu'il aille plus bas. Attends. C'est... Ah. Attends, il y a des moments où il le fait pas. Je veux bien y retourner, mais. Putain, mais à quel moment fallait y aller là? Attends, j'ai tout évité. Et... Normalement, il se calme, on dirait. C'est bon. Bon. Cool Spot. Ça, c'était un bon jeu. Ça, je l'avais sur Mega Drive. Cool Spot. Mais il est chaud. Alors, attends que je vous lis un peu. Grand frère avait Mega Drive avec Sonic Compilation. Sonic 1, ouais, Mean Bean Machine, ça c'était super dur, quoi, je trouve. Ah merde, prise d'alimentation, c'est pété. Dommage. Non, faut que je prenne le bateau là. Et donc là, c'est le dernier monde. Même s'il y a un monde caché, quoi. Ah, musique du bonus stage, Cool Spot, ouais. Ça m'avait bien surpris à l'époque, mais je la trouvais excellente, quoi. Une musique comme ça, là, sur Mega Drive, je trouvais ça vraiment classe, quoi. Ah, c'est donc là, on retrouve la forêt. Putain, merde. C'est quoi cette merde, là? Oh, dégage! Ça, je pense pas que je puisse les shooter avec une roulade. Voilà, c'est bien, calme-toi. Je vais prendre Dixie plutôt. Il y avait Dune aussi. Dune sur Mega CD qui était une adaptation vraiment excellente. Mais également, quoi, celui-là, je l'avais pas, quoi. Mais après, j'en connaissais plein. Il y avait Cold Dauphin aussi également qui était pas mal fait, je crois. Enfin, qui changeait peut-être pas de la Mega Drive, mais en tout cas, les musiques étaient excellentes. Après, là, c'est vraiment les jeux de lancement, quoi. Batman Returns. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Lunar aussi, un RPG qui avait l'air vraiment bien, quoi. Quoi d'autre? Il y avait, je sais pas, Wonder Dog aussi, là. Une espèce de chien, là. Un jeu de plateforme avec un chien. Qui a l'air sympa. Mais voilà, après c'est sûr qu'il n'y a pas eu énormément de jeux quoi sur cette console. Ok, bon, on va prendre celui-là. Quoique non, je m'en fous. Oh putain! Ah. Il m'a eu surpris ça! Ah putain, c'est dans l'autre sens! Saleté! Connais-tu Battletoad? Bah, juste. Oui, les grenouilles quoi, mais je crois pas y avoir joué. Attends, là, je bourrais là. Enfin, pas trop, pas trop.
Aïe, merde. Salut Stadav, je crois pas t'avoir vu. Ouais, je ferai du Cuphead après ce monde. On essaiera de faire au mieux le troisième monde. Mais c'est pas sûr que je le finisse entièrement, hein, parce que je crois qu'il y a énormément. C'est plus long que les autres mondes, le troisième. Putain, je pensais que je passais pas là. Alors attention, je me suis fait avoir là. Le truc il va 300 à l'heure. Bon ça me donnait tout le temps une vie. Hein. Remarque, c'est pas trop mal. Ah merde! Putain, mais là faut descendre, c'est pas possible. Le truc il apparaît pile quand tu sautes quoi. Oui, crapaud, grenouille, bon. Pas jouer sur les mots. Oh merde. Oh le con. Oh putain, ça réapparaît pas en plus. Ah merde. Bon bah tant pis. Attends, il y a peut-être moyen. Attends, c'est risqué. Non, non, prends celle-là plutôt. Elle l'envoie plus. Ah oh, mais merde, dommage. Ah mais c'est réapparu. Ouais mais je crois que c'est mort quand même. Oh, non, elle lance pas assez loin, tant pis. On va essayer de pas perdre une vie, c'est tout. Mais putain, oh là là, c'est pareil. Ouais, je peux pas revenir en plus. C'était encore limite là. Eh ouais, je suis pas le N. Alors attends. Voilà, là, je peux y aller. Oh putain. Ouais, c'est bon. C'était la dernière difficulté de ce niveau là. Code de Buffalo. On l'avait vu ça? Ah oui, c'est encore cela quoi. Décoder, je vais réfléchir plus intensément. Il y a des énigmes hein, comme ça, mais bon. On va pas s'en préoccuper pour l'instant. T'abuses là! Putain, avec Dixie, ça aurait été bon. Vu qu'elle le porte au-dessus d'elle. Que ça. D'accord. On l'avait pas vu ça encore. Oh putain. Oh le troll. Attention, il y a du troll là. Oh putain. Qu'est-ce que ça me fait ça? Non, ça on l'avait pas vu encore. Je sens que ça va pas me plaire. Ok, d'accord. Elle peut pas, Dixie. Vachement le temps quand même. Faut que j'y pense là, dès que je vois des guêpes. Y'a forcément une connerie de ce genre quoi. Attends mais. Ça va n'importe où ce truc. J'hésite à prendre le gros quand même. Parce que là y'a vachement de balèze. Oh putain, non, là. Voilà. Ok, donc ça fait droite, gauche et milieu.
Putain, on dirait qu'il y a un truc à gauche. Ouais, il y a un truc à gauche par contre. Ouais, fait chier, la flemme. Essayer. Putain, il est lourd. Non, c'est bon. Ah, bien. C'est pas les tonneaux fantômes. Dommage que le niveau se passe encore dans une grotte avec le même fond. C'est vrai que ça se répète un peu là. Bon, bah tant pis. Hein. Ah, c'est bon, je peux le shooter. Alors attends. Peut-être moyen de monter là. On fait, ouais, comme ça. En évitant. Oh putain. Oh, ça va être l'enfer, ça. Ouais, ça va être chaud. Je sens que ça va être super chiant, ça. Ah bah oui, mais bon, attends. ça va me saouler, ce passage. Je vais se prendre ça. Quoique, j'ai l'impression qu'il y a quand même un super truc là. Merde, le truc qui disparaît direct. Je touche pas là. Ouais, mais voilà. Bon, je vais essayer un coup, sinon tant pis. Hein. Parce que là, je peux passer des heures. Tout seul, j'aurais essayé 5000 fois, quoi, mais. Je peux faire ça en live, quoi. Ouais, c'est vraiment pour un tonneau bonus. Merde, putain, ça disparaît. Bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouh, c'était bizarre. Je vais quand même garder un tonneau à chaque fois. Pour... Ah, quel con, j'aurais pas dû, là. Ça, ça fait penser à The End Is Nigh, là, du coup, là, ces genres de trucs, là. Faut le faire au bon moment. Ok. J'espère que ça me suit pas là derrière. Non, c'est bon. Ah mais c'est pour lui là. Ouais, non, ça je le ferai de mon côté. Oula, attends, il me fait n'importe quoi là. Ok, c'est bon. Il a retrouvé une logique. Dégage. Putain, il y avait peut-être un tonneau. Attends, on va faire ça. Oh merde. J'allais un peu trop vite. Oh merde! Attends, y'a un truc là. Ok, cool, une vie en plus. Et la fin. Ouais, non, c'est sympa. J'aime bien là ces petits niveaux. C'est aussi parce que ça se passe bien quoi. Je préfère ce genre de niveau, tout ça, que du parkour où c'est un peu. C'est un peu saoulant quoi. Salut Choupi! Compris. Bon, il y avait un éclair apparemment. Attends, alors comment ça se présente là? Je sache quand ça attaque ça. Putain. Attends, alors comment ça se présente comment là? D'accord, on voit une petite éclair. Putain, mais il faut des réflexes de ouf là. Ah, ça shoot aussi les. Ça va pas me plaire ce niveau. Oh, mais oui, mais attends. Pourquoi c'est quoi? Il a fait un saut de merde aussi là. Ah, tiens, viens là toi. Merde!
Putain, ça va pas me plaire ce niveau, je le sens. Dégage. Ou alors faut bourriner, je sais pas. Putain. Attends, vas-y. Non. Ah, mais merde, pile sur moi, quoi. Alors, soit faut bourriner comme un malade, mais je le sens pas. Soit faut y aller à vraiment un petit pas, comme je fais, là. Ah, oh, si, en bourrinant. Attends, là, c'est sûr que non. Allez, bourrinage. Ça va passer. Merde, ça va pas passer là. Ah, le con. Dégage. Non. Oh, putain, elle s'arrête bien pile où il y a l'éclair quoi. Putain, puis avec le gros là. Ah, et puis si ça touche l'eau, ouais, évidemment. Ah, ça va être bien ça. Attends, par contre, je vais peut-être commencer là. Je sais pas combien de vie il me reste. Donc, par sécurité. Ouais, mais le coup. Le temps que tu vois que c'est. Voilà, qu'il y a un petit coup comme ça, ton personnage, le temps qu'il freine, bah, tu te le bouffes, quoi, l'éclair. Quoi. C'est super. Putain. Super chaud à anticiper, quoi. En plus, c'est complètement aléatoire. Quoi ? Mais là, je l'ai même pas vu arriver, quoi. Ouais, c'est totalement aléatoire en plus ce truc quoi. Ah putain, stop. Tiens vas-y, fais-moi péter cet oiseau là. Mais, putain mais... Ouais. Ah si il l'a fait, ça y est. Très bien. Non. Ah putain, c'est tendu. Ah ouais c'est pour ça mais je m'en fous. Enfin... Pas aujourd'hui, je m'en fous quoi. Putain, mais c'est, ça arrête pas là les éclairs, c'est abusé. Merde. Oh, putain, même là je pourrais rien faire. Quand elle lance, elle met 10 ans pour se remettre. Quoi? Vite, remonte! Oh putain. Ah, ça va être bien là cette phase. Là, il faut être. Faut être au moins deux là. Non. Oh putain. Ah, bonne idée, mais en même temps, idée de merde. Ah d'accord, l'éclair a même pas pété là. Bouge. Mais putain, comment tu le passes ça? C'est n'importe quoi! Ah oh, putain, puis elle glisse à moitié, oh là là. Mais. Oh, ok. Attends, ça va être intéressant là. Vas-y, balance-moi ça, stop. Ouh, soufflons un peu. Soufflons un peu là. Ah oui d'accord, il y avait les éclairs aussi. Vite. Nickel. Ah, il y a un G là en plus. Attends, je vais essayer de l'avoir mais... Ah oh, putain, c'est sur ma gueule ça. Non, c'est bon. Oh mais merde, j'ai même pas vu l'éclair. Putain. Non. Putain mais le défoulage là, stop. Comment je fais là? Comment ça se passe là? Attends, faut que ça se termine là. Oui. T'as pas deux fois celui-là. Très bien. Ouais, même dans le niveau bonus quoi, t'as aucun répit quoi. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il me veut lui? Merde! Oh putain! Mais fous-moi le camp!
Viens par là. Ah mais lâche-moi. Putain. Bon, ok, on se casse. Mais qu'est-ce que c'est que ce niveau? Tu peux rien faire. Attends, déjà, hop, je prends Dixie parce que le gros, il m'insupporte. Voilà. Déjà, on va jouer mieux avec elle. Putain, mais c'est insupportable! C'est quoi ce bordel? Oula, alors là par contre, je dois plus avoir de vie. Hop. Bah attends, c'est n'importe quoi là, tu peux rien contrôler quoi. Mais. Quoi? Comment j'ai fait? Je comprends rien! C'est hallucinant, je comprends rien! J'ai beau faire tous les boutons, je suis projeté sans arrêt, je peux rien contrôler quoi. Attends, alors ça marche comment? D'accord, alors attends, faut y aller calmement alors, comme ça. Mais non, là ça a pas marché. Attends, mais c'est complètement aléatoire, je comprends rien. C'est complètement aléatoire quoi. Il doit y avoir quelque chose, mais. Ok, donc là on va dire que c'est bon. Attends, mais arrête-toi. Putain, mais c'est ignoble. Non, toi tu. Je viens pas te voir. Faire en sorte de bien atterrir sur le truc. Mais alors sans Dixie, je vois pas. Hein. Putain, saute! C'est ignoble. Mais c'est ignoble. Alors là, c'est ignoble. Ok, on a trouvé le stage qui va m'emmerder pendant longtemps, là. On l'a. Putain. Non, mais... Bon, la game over. Ah tiens, c'est pas mal. Ah, belle image. Là on revient donc écran titre. Ok, donc attends, je me gourre pas. Voilà. Alors ce niveau de merde, comment on va le passer quoi? Non mais attends, c'est incompréhensible. Putain. Non mais ça marche à moitié. Au bout d'un moment, je sais pas, ça se décroche tout seul. Bon les gars, je vais faire encore quelques essais, mais après je pense que je vais matraquer de save state dans ce niveau quoi. Il doit y avoir une technique, mais je la comprends pas quoi. Mais putain, je le. Attends, mais j'ai plus de vie là. Bon, tant pis, on va réessayer, de toute façon, je vais crever. J'atterris dessus, putain. Bon, allez, c'est parti pour essayer cette tête. C'est bon, ça m'a saoulé. Niveau de merde. Bah au moins tu pouvais gérer avec les éclairs. Là non. Après je dois pas savoir jouer quoi, mais bon en même temps. Là je sais pas, ça se passe bien là cette fois. Alors qu'avant non. C'est très bizarre. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Stop! Putain, mais c'est spécial rebond quoi. Ce niveau quoi. Attends, c'est pas trop mal là. J'ai réussi à passer. Mais putain. Bon, tant pis, je continue comme ça.
vraiment plus qu'une vie, quoi. Faut bien atterrir dessus, mais putain, c'est tellement précis. Quoi? Ah, d'accord, fallait prendre l'appui sur lui. S'il faut de la réflexion en plus, c'est pas gagné. On vient là, mais putain, voilà. J'espère qu'il n'y en a pas trop des niveaux avec ces merdes là. Oh putain, oh, mais c'est tendu là. Mais franchement, si t'as pas Dixie, comment tu fais quoi? C'est vraiment n'importe quoi. D'accord, c'est la seule lettre. Ça fait ça. Bravo! Bien joué! Ah putain, d'accord. Je commence à plus être dedans là. Hop. Je vais le faire là. Ça c'est bon. Putain, mais je vois pas. Sans Dixie, je vois pas du tout comment tu le passes. Lui il s'en fout quoi, il se fait matraquer la gueule. Quoi? Mais abusé, putain, je me faisais pas toucher jusque là. Putain, puis alors. Oh putain, oh, la maniabilité du gros, ça c'est du bonheur infâme, hein, mais vraiment quoi. Pouf. Ramenez Didi. Chopé. Putain. C'est bon, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? Ça passe pas. Oh là 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 là. Putain, ce niveau de merde. Ah, c'est le niveau de merde du jeu là. Clairement. Faut en terminer avec ce niveau là, j'y arrive plus. Ok, save state. J'arrive pas, j'ai plus de synchro là. Parce que je me fais toucher en plus, je sais pas pourquoi là. Attends, mais y a pas un problème là? Y a pas un petit problème sur le jeu là? Oh, putain, quel con. Et ça y est, ça recommence. Ça mongolise. Putain. Vache, je sais pas comment je m'en suis sorti. Mais putain. Oh, j'en peux plus de ce niveau. Mais putain, là, j'étais dessus, il m'éjecte. Je comprends pas. Ah non, mais ça, franchement, c'est niveau de merde. Hein. C'est point noir pour moi, là, sur ce jeu, là. Pas précis, hein, le truc. Et ça, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, ouais, merci. Non, oh, non, 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 putain. Allô? Ça marche pas le bac? Non? D'accord, je peux pas changer. Nouveauté du jeu. On change les règles. Oh
qu'on va le faire maintenant. Voilà. Pas, là. Putain, mais il est bugué le jeu ou quoi là? C'est quoi ce bordel là? Ah putain. Ce qui m'emmerde, c'est que dans le monde caché, forcément il y aura ces ennemis là à tous les niveaux, je suis sûr. Tellement c'est du bonheur, ces niveaux avec eux. Voilà, parfait. Très bien, on n'en parle plus de ce niveau. Ouais. J'espère que c'est bon. Putain, sympa. Ah non, moins sympa. Ah d'accord. Attends, je comprends pas. Donc les commandes sont inversées. Faut que j'aille vers la gauche là pour avancer. Par contre, c'est bas ou haut, je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, les commandes sont inversées. Sauf quand on sort de loup, putain, oui. Du coup. Ah, mais attends. Alors là, faut être à fond à gauche, sauter et aller vers la droite. Ok. Pour aller en bas, non, bah écoute, hein, je me laisse couler, on va dire. Putain, j'avance un petit pas. Attention. Ce qui est chiant, c'est que je peux pas. Ouais, je peux pas doser ma hauteur. Je sais pas, on va aller à droite. Pas bon signe, merde. Ah putain. Faut juste, ouais, s'habituer aux commandes inversées, quoi. Juste, quoi. Ah cool. Et c'est marrant quoi, ils ont encore innové là. Putain, il m'a bien saoulé le niveau d'avant. Ah bah merde, on pouvait l'avoir. Ah, cool. Je regagne un peu quelques vies, enfin, je dis ça, tu vois, bon là je pouvais pas, je dis ça sur le dernier monde quoi. Putain mais, de toute façon avec le mongolo, comment tu veux quoi. Ça nous dit quelque chose. Peut-être qu'on revoit ce décor dans le monde caché. Ah, ok. Ça va falloir du temps avant que j'arrive au monde caché, là, que je fasse le choper tout ce qu'il faut pour y aller. J'ai du boulot. En plus, il va falloir que je me retape des niveaux chiants. Notamment celui d'avant. Non, non, non. Putain. Die and retry. Avoir par lui. Hein. Allez, vite, vite, mais accélère. Putain. Changez-moi de perso, celui-là. Faut le dégager, quoi. Heureusement qu'il a pas été repris hein, dans les suivants. Ouais, donc Donkey Kong suivant.
Ils ont compris que bon, voilà. C'est amusant, un gros bébé, mais. C'est pas un bon personnage, quoi. Mais je peux accélérer là? Ah, mais oui. Mais stop! Putain! Vite! Ok. Ah oui, ça va sans doute bourrer de save state si j'y arrive pas, parce que bon. Pas l'intérêt de faire un live, passer 3 heures sur un stage, quoi. Putain. Ah, j'y arrive pas. C'est chaud. Ok, là c'est passé. Allez. Ah, cool. Ah, mais je peux pas bourrer là. Si, non, c'est bon. Enfin, je pourrais passer 3 heures sur un stage en live. Le problème, c'est que vu que je fais un live par semaine, voire deux, voilà, ça risque d'être un peu long, quoi. Putain, c'est tendu. Ça s'arrête pas. Oh là là, mais merde, ça, je vais pas le passer, ça. Je veux bien que ce soit sympa, là, et là... C'est sorti. Putain, c'est la fin en plus. Et merde. Alors attends, on va coller tout à droite. Voilà. Ah oui, pour le. Oui, d'accord, pour le 100%, oui, c'est clair. Ah non, bah oui, là, je vais pas me faire chier, quoi. Château Chaos, est-ce que c'est le boss, là? Ça a l'air. Comme revenu. Putain, c'est une espèce de Terminator, là. Faire quoi là? Attends. C'est quoi ce truc? Bon, attends, je vais prendre le mongolo. Comme ça, si je le paume, c'est pas une perte pour moi. Ah, ok. Donc, il y a ça. D'accord. Il fallait shooter quelque chose, je sais pas quoi. À la tête, sans doute, mais. Très bien. Choper autre chose, qu'est-ce que putain. Qu'est-ce que attends, je contrôle plus rien là. Ah bah lève là. C'est lui ou pas? Non. Tu as fait, ma femme va me tuer. J'ai utilisé ses plus belles casseroles et tu l'as explosé comme une vulgaire canette. Cola, bon marché. Ce qui était en plus. Ok, bon. Est-ce que c'est à mauvaise fin ça? Je pense pas être à la. Je pense que ce soit fini quand même. Voyons. Non, ok, non, c'est pas fini. Crème les survivants. Ok, tu vas me faire quoi là? Faut lui sauter dessus, faut. Apparemment non. Ah d'accord. Super. Mais c'est quoi l'astuce là? Attends. Merde, attends, j'ai plus de vie là. F2. Lance un tonneau sur le dos. Ah, c'était ça le truc. Ah bah tiens, je reprends exactement là.
Merci, Fire Mario. Ah, d'accord, fallait esquiver en dessous. Ça continue là ou. J'imagine. Putain, mais. Pff, t'as pas le temps quoi, si tu sais pas, c'est obligé de crever quoi. Enfin, c'est comme d'hab quoi. Qui va plus vite. Quoi? C'est quoi ce saut? D'accord, elle saute pas assez haut maintenant. Ça, c'est compliqué, hein, cette fin. D'accord. Ok. Mais bon, si c'est ça, ça va aller. Enfin, ça va aller, non, parce qu'il va aller très vite à un moment donné. Le problème, c'est que je sais pas à quel moment il s'arrête là. Ah, là, apparemment. Putain, pas de chance. Oh putain. Alors, à quel moment je vais pouvoir le faire ça? Enfin, que j'attende un aller-retour. Putain, ça va être très long. Est-ce que je peux ça? Tiens, c'est pas mal ça. Voilà, comme ça là. Le problème c'est que je sais pas quand il s'arrête. Ah là. Ok. Merde. Attends, ça veut dire quoi ça? Oh putain. Il s'arrête quand là? Comment je fais là? Ça. Ok, super. Je te vois. Mais il n'y a rien là. Mais d'accord, tu t'es pas retourné. C'est revenu là? Non. Ça revient comment? C'est tout à gauche là qui l'active? Ouais, ça doit être ça. Tourne-toi, voilà. Eh merde, putain. Ah, c'est du genre très long, ouais. Alors, est-ce que ça va être utile de le montrer, vraiment? On va dire que oui, mais bon. Salut Caracta. D'accord, super. Ok. C'est de la merde ce mec. C'est officiel. Pas dire, il faut prendre Dixie. Ah non, j'y arrive plus. Salut Totor. Attends, j'y arrive plus du tout quoi. Faut que tu te fasses Horizon. Quoi sur PS4, mais je l'ai déjà fait celui-là. Ça y est, enfin. Je sais pas parce qu'il est rapide en fait. Ah oui, c'était un truc à faire comme ça. Vite, vite, casse-toi, ok. J'ai le mongolo, c'est mort. C'est mort avec lui.
J'ai aucune idée de comment je vais faire là. Ah merde, si j'aurais pu là. Ouais, putain. Un peu long hein, cette fin là. Enfin, je sais pas, ça me saoule. J'ai envie de passer à autre chose là. Allô, ça marche plus? Déjà. Hop, tu dégages. Ah, enfin. C'est bien passé le niveau d'avant, il y a deux niveaux, non, pas du tout. Enfin, j'ai trouvé que c'était le niveau de merde du jeu. Et ouais, je sais pas. C'est bon, en fait, je suis un peu saoulé, j'en ai un peu marre là d'y jouer. À vrai dire. Je vais passer à autre chose là. Ça c'est normal. Ah bah c'est cool, assez origine. Il est bien alors? Je pense que je vais faire une coupure sur la rediff là sur ce boss parce que bon. Pas intéressant. Putain, qu'est-ce qui m'a fait là mon perso brandé? En même temps, dégage. Je veux plus le voir là, le gros là. Alors, faire un truc comme ça. Putain, c'est... quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pas trop comment faire autrement que comme ça. Merde. Est-ce qu'il va s'arrêter là? Oui, alors vite. D'accord, si. Putain, je me fais avoir exactement pareil. Je suis vraiment un boulet, quoi. Putain, mais pourquoi je peux pas changer de perso? Je comprends pas, parfois. Je bourrine sur le bouton, pourtant, et ça veut pas, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est le boss final et voilà, merci, ça c'est bien. Merci de l'avoir dégagé. Il est chiant. Putain, elle me fait n'importe quoi. Mais elle saute! Ok, il est où? Ouais, après, il doit y avoir énormément de monde en ce moment qui stream Mario Odyssey. Je pense que plus personne ne regarde Cuphead également. Ça y est, je pense que la mode de Cuphead est passée. Hein. C'est le gros truc du moment, ça. Je pense que c'est fini à présent. Putain, mais... je suis pas confiance là, à ce que je fais là. Allez, descends. Putain, faire quoi là? Attends, c'est quoi là, l'astuce? Crever sans comprendre quoi.
l'idée, ça passe. T'en fous de camp. Hein? Mais je l'ai shooté dans le dos là, c'est quoi ça? Il y a encore autre chose à faire de nouveau, quoi, j'imagine. Putain. Ah. Ah. Le fait que ce soit à fin, là. Non. Il va falloir deux coups comme ça, je pense, encore. Attends, je vais attendre. Parce que là, je le trouve assez bas, là. Je passe pas en dessous, là. C'est pas possible, hein. Oh putain, j'ai envie de faire une safe state là parce que si je meurs, faut tout se retaper. Et on va dire que ça me saoule. Oh puis merde, non, on va essayer sans. Ah si, je passe. Je suis limite hein, quand même. Là, la hitbox est généreuse. Putain, hein. Mais il est infini ce boss. Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain, ouais, ça va être génial. Attends, je peux aller là. Attends, mais le tonneau il a explosé. Ah putain, c'est les lasers qui explosent le tonneau là. Oh, mais c'est horrible ce truc. Ouais, bah alors là, safe state. Clairement. J'ai pas envie de tout me retaper. C'est ignoble. C'est quoi ce truc? Attends. Non, c'est pas comme ça. C'est ignoble ce passage. Attends, non. Alors, c'est pas comme ça. Dégage. Oh putain. Vite. Ok, génial. Bien joué. Ah bon, je passe pas. Ok. Oh putain. J'y passe. Bon, ça se finit là? Non. Putain, dans le cul. Ouais, c'est un peu raté, je trouve, hein, ce boss de fin là. Musique pas épique, c'est tout mou. On s'emmerde, ouais, comme vous dites. Je vais faire le con là. D'accord. Heureusement que je fais des safe states. Vous imaginez si je devais tout recommencer, on y serait pour un siècle. Hein. Rater cette fin quand même. Après bon, peut-être parce que j'en ai marre quoi, mais... Putain, mais n'importe quoi, pourquoi elle s'est emballée? Mais lâche. C'est bon. Salut Masamune. Ou Masamune, je sais plus comment je le dis. C'est bon. Allez, crève, s'il te plaît. Ah, merci. On va pouvoir changer de jeu. Ça fait plaisir. Ah, ça y est, on a sauvé donc le
Diddy et Donkey. Ouais, bah, je l'aurais pas fini à la loyale celui-là. En même temps, voilà. Soit fallait que je m'arrête, soit fallait faire comme ça, quoi. Non, c'est pas une merde, hein, ce Donkey Kong Country 3 là. Juste à la fin là, j'étais un peu saoulé, on va dire. C'est plutôt le niveau là qui, le niveau avec les crocodiles roses là que ça m'a saoulé. Et ce boss final, ouais, il était pas génial, hein, quand même. Non, non, il y a de bonnes idées sinon, hein, sur cet opus, quoi. Après, je trouve que musicalement, c'est beaucoup moins épique que le 2. Ouais, d'accord, ça marche, Mario. Niveau 0 de l'IA, ouais, mais bon, après, faut le faire, quoi. Mais disons que ça dure trop longtemps, quoi. C'est trop long quoi, c'est surtout long quoi. Je dis au bout d'un moment, c'est bon. C'est clair. Donc là, je crois que c'est comme les autres Donkey Kong, là on revoit tous les animaux. Enfin, tout le bestiaire à la fin. Là, je trouve même là, pour une musique de fin, c'est. Pour une musique de crédit, ça aurait pu être mieux, quoi. C'est vrai que c'est une grosse journée, quand même, aujourd'hui, hein, niveau sortie, là. Enfin, peut-être pas qu'aujourd'hui, mais plutôt ces derniers temps, là. Il y a vraiment énormément de jeux, bons jeux là qui sortent. Après bon voilà, c'est pour Noël. Aujourd'hui il y a Mario Odyssey, en plus il y a Stranger Things saison 2 là qui est sorti également. Bon, je vais pas le regarder de suite ça, mais c'est clair que je le ferai quoi. Mon préféré de décasser, bah, franchement le 2. Le 2 quoi. Il est pas mal le 3, ok. Le premier, bon, il est rude. Le premier est rude, mais c'est le tout premier, donc normal. Ça pose les bases. Le deuxième est vraiment au niveau le plus haut. Y a pas à dire hein, en tout. Le 3 est sympa. Il y a quand même des phases de gameplay assez originales. Mais il y a des soucis, je trouve, quand même, au niveau des décors. Des choix de couleurs, parfois, je trouvais assez curieux. Les boss qui ont un peu rien à voir avec l'univers Donkey Kong. Sinon, les niveaux étaient quand même assez bien dosés niveau difficulté. Mais il y a la fin, et peut-être parce que j'en avais marre hein, sur la fin. Faut pas non plus croire que c'est moins bon. C'est quand même pas mal, mais voilà. Par rapport au 2, je préfère le 2, quoi. Il est un peu moins bon, quoi, le troisième. Voilà, tu vois, là, c'est crédit de fin infini, là. Avec une musique qui tourne en boucle. Pas du tout épique. Bon, attends, je peux pas le sauter ça parce que j'ai l'impression que ça va être infini quoi. Enfin bon, on voit toutes les bestioles. Mais après ouais, c'est, je comprends que tu préfères le premier, Totor. Après c'est la nostalgie hein, qui compte. Moi je les ai pas connus donc bon, je donne un choix. Selon ce que je découvre aujourd'hui, quoi. Alors, petite question, j'avais pas vu. Vous avez acheté une Switch? Moi, ouais. Mais je l'ouvre qu'en décembre. La boîte est derrière moi, mais je l'ai pas encore ouverte, quoi. Des bons jeux là, enfin le Mario, j'ai le Binding of Isaac là à refaire dessus, forcément.
Puis je vais me prendre des jeux aussi qui sont dessus. Alors je sais pas, je sais pas s'il y en a un, si je le prends sur Steam ou sur Switch, qui est Spelunker Party. Si là il me fait vraiment énormément envie quoi. Et il y a Golf Story aussi qui me plaît bien sur Switch, qui m'a l'air sympa. Un jeu de golf façon RPG quoi. Alors, rien que l'idée, moi ça me plaît quoi. Il y a aussi le Picross sur Switch. Maintenant qu'il y en a plus sur 3DS, forcément, c'est ce qui m'a fait franchir le pas pour la Switch. Je vais encore passer 500 heures sur Isaac Rise possible. C'est clair. Après ça c'est la Switch, je pourrais le capturer je pense. Enfin beaucoup arrivent à le capturer du coup, puisqu'ils font Mario Odyssey. Donc ça doit se capturer comme la PS4 ou autre console quoi. Il doit pas y avoir trop de restrictions. Ça doit se faire assez aisément quoi. Hey, salut Meroge. Mais je verrai quoi, le Isaac sur Switch. Ah bah d'ailleurs, Meroge, toi tu le sais. Au niveau des performances quoi. Est-ce que le jeu va ramer? Est-ce que dès qu'il y aura des trucs abusés, la console va planter? Comme j'avais fait le benchmark sur la PS4 où ça ramait de partout mais ça avait pas planté quoi. Donc je sais pas quoi. Putain mais ouais, le générique il est juste infini quoi. Là, franchement la fin elle est... je l'aime pas quoi. Après je suis obligé de laisser hein, pour la fin du let's play quoi. Ah l'éléphant s'appelle Ellie. Ça par contre... m'en rappelez pas. Et l'araignée, Squitter, ok. Alors ça c'est les piafs de l'espace. C'est pas trop ce qu'ils foutent là quoi. Ouais, Far Cry Primal, ouais il est assez simple à platiner. Hein. Tu peux aller le faire très vite. C'est pas l'enfer quoi. Pas beaucoup joué encore sur Switch. Du ramage par moment. Ouais, je sais pas, je verrai. Hein. De toute façon, je tenterai des trucs de fou là sur Isaac et on verra si la Switch plante ou pas. La 3DS, je la faisais planter. Sur 3DS, je le faisais planter. J'avais un gros retour, un gros code retour où fallait éteindre la console. Tout dépend. Si tu mélangeais des trucs avec IPK, que tu commençais à faire péter la console quoi. Ah non, mais de toute façon je l'ai acheté, j'ai les factures et tout quoi, je veux dire, si ça marche pas, je la remplace quoi. Donc non, je l'ai pas déballé. Enfin, j'ai juste regardé l'état de l'écran, sans l'allumer quoi, juste comme ça en ouvrant, et c'est bon, il y a pas de rayure ou autre. Donc on va, ouais Meroge je l'ai, mais je l'ouvre pas avant décembre. Donc il y a la petite tentation à chaque fois, mais j'y tiens. Ah ouais, Fire Mario, je m'en souviens de ce succès. Ah, il faut bourriner de loin, quoi. C'est... ouais, c'est ça, en fait, Totor. C'est le cadeau de Noël, quoi. Ouais, mais j'ai pas envie de brancher la Wii, enfin, de tout déballer. Ben voilà, quoi, je... Non, faut que je me garde le... On verra ça en décembre. Ouais, c'est début décembre. C'est vrai en plus. Bon, cette fin là, c'est quand ça veut. Je pense que je mettrai un petit sous-titre sur la rediff disant que bon. Vous pouvez couper la vidéo maintenant, il n'y a plus rien à voir, à part des crédits, quoi. Qui durent 20 minutes. Ah non, mais en plus, c'était même pas les crédits, c'était juste les personnages, et maintenant, c'est les crédits. Putain, quel enfer. Oh, puis je peux pas le sauter. Bon. Fin aussi longue que le jeu, ouais.
Et ça, il y a des jeux où ça dure 15 ans, la fin, tu te demandes. Enfin, moi, je trouve ça un peu débile. Ouais, mais je sais pas ce que c'est la touche pour ça. Là où il y avait les pires crédits aussi, je crois que c'était DuckTales Remastered. Ou les crédits de fin, mais ça dure, mais 5-6 bonnes minutes. C'est juste n'importe quoi. Enfin là, ça doit faire quand même un quart d'heure là. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma pause pendant qu'il y a des crédits de fin. Et je reviens une fois que ça sera fini, quoi. Enfin, quand j'aurai fini ma pause. Donc à tout de suite. Ah putain, ça y est. Enfin. Très bien. Salut passion jeux vidéo. Il y a peut-être d'autres qui sont arrivés. 45, il est où le 100? Bah, prochaine session. Hein. J'ai rien pris du tout. Hein. Classement que dalle, ouais, j'avais pas vu, tiens. 3h41. Ouais, j'ai l'impression que j'avais fait plus. Ouais, enfin, ouais, prochain stream. J'avance bien en solo, que je chope tous les trucs. C'est marrant, je suis pas hyper motivé, mais bon, faudrait que je le ferai. Du coup, attends, je peux reprendre ma sauvegarde? Tiens, ça m'inquiète. Et si je reprends où? Ok, là, ok, très bien. Donc je sauvegarde. On va s'arrêter là, donc.